C'est le nom que Dieu lui a donné. Est-ce que tu sais la parole que tu as prononcée sur ta vie le jour de ta naissance? Je dis ce soir, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Je dis, demande au Saint-Esprit de te révéler le nom que Dieu t'a donné à ta naissance, le programme de vie que Dieu avait appelé sur toi lorsqu'il t'a créé. Shakaya baba baba Korama usendere bobobo. Je dis, parle au Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur ni de la mort, mais tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, devant une difficulté, adore son Dieu. Il ne pleure pas, il ne se lamente pas, mais il adore Dieu. Keramaché. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Avant ma naissance, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé, appelé par mon nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Tu m'avais choisi, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus. Ce soir. Alléluia. Invoque la gloire de Dieu.
de Dieu au milieu de nous. Demande au Saint-Esprit de faire descendre la gloire de Dieu. Que ta gloire descende ce soir. Que ta gloire descende, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, parle au Saint-Esprit. Dis-lui de remplir l'atmosphère de cette salle. Dis-lui de remplir ce lieu de sa présence. Continue de dire au Saint-Esprit de descendre au milieu de nous. Comme au jour de la Pentecôte, viens nous remplir de ton amour, viens nous remplir de ta présence, viens nous remplir de l'onction de Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ton onction ce soir, nous avons besoin de ta puissance ce soir, viens transformer tout ce qui est mort. Alléluia. Continue de prier jusqu'à ce que l'église soit saturée de la présence du Saint-Esprit. Continue de prier. Demande au Saint-Esprit d'envahir ce lieu. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Envahisse. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent. Que vienne ta pluie. Jésus, Jésus, nous voulons que ta gloire descende. Que ta gloire. Devant ta face. Alléluia. Toi qui es l'oméga, toi qui es l'alpha et qui opère toutes choses dans notre vie.
Tu es assis sur ton trône et toutes choses deviennent nouvelles dans notre vie. Seigneur Esprit Saint, par ta grâce, tu changes notre identité. Désormais, nous sommes citoyens du royaume. Un citoyen du royaume n'a pas peur, car son Seigneur siège à la droite du Père et il intercède pour lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il intercède pour toi, parce qu'il te donne la victoire, parce qu'il te donne la paix, parce qu'il te donne la joie? Oh Seigneur. Sous le haut parrainage de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, la communauté catholique, mère de divin amour, convie tous les prêtres, religieux, religieuses et toutes les personnes consacrées d'Afrique et d'ailleurs à la troisième édition de Diakonos. Du mardi 27 au vendredi 30 juillet 2021 à la maison mère Saint-François de la Riviera Palmeraie. Thème consacré, réveille le monde. Intervenant, Monseigneur Nicodème Barriga, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutiers, Père Jean-Philippe Auger, Père Éric Norbert Abécan, Frère Jean-Emmanuel Clément Acoubé et bien d'autres. Au programme, enseignement, atelier, prière des heures, messe, participation unique, 10 000 francs, 15 euros, hébergement gratuit. Inscription en ligne sur le www.ir2md1.com/diakonos. Sous le haut parrainage de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, la communauté catholique, mère de divin amour, convie tous les prêtres, religieux, religieuses et toutes les personnes consacrées d'Afrique et d'ailleurs à la troisième édition de Diakonos. Du mardi 27 au vendredi 30 juillet 2021. Seigneur, du Seigneur, tu es digne de louange. Peu importe ce que je traverse comme situation, tu es digne de louange. Et ce soir, je te célèbre. Et ce soir, je t'élève. Et ce soir, je t'honore. Et ce soir, je te positionne en premier, au devant de toutes les choses. Oh Seigneur, toi seul es digne, toi seul es grand, toi seul es fort, toi seul es tout puissant. Comme toi, Saint-Esprit, comme toi.
comme toi, personne n'est comme toi. Saint-Esprit est comme toi. Présent Saint-Esprit. Qui est comme toi, Saint-Esprit? Who is like your Holy Spirit? Tu es vivant. You're alive. Tu es vivant. You're alive. Et tu nous communiques ton esprit. And you give us your spirit. Dispose nos cœurs. Make us heart ready. À recevoir la parole. To receive the word. Cette parole qui va nous construire intérieurement. That word that will build us. Oui, le Seigneur me donne cette parole déjà pour toi. He's giving me this word for you already. Il dit rien n'est tard. Nothing is late. Et tu as vécu une journée assez difficile. And you've been through a hard day. Et tu te dis que tu es tellement en retard. Tu, and you're telling yourself you're tu regardes ta vie et tu te dis que c'est un échec. Looking at your life as a failure. Mais le Seigneur te dit rien n'est tard. But the Lord is saying nothing is late. Nous te bénissons, Saint-Esprit. We bless you, Holy Spirit. Amen. On Amen. Acclame Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir. Je dis merci à notre Père qui est dans les cieux. Je dis merci à toutes les délégations qui sont déjà venues pour Diakonos. Je veux qu'on les acclame. Les pères qui sont là. Et les sœurs, les religieuses, tous ceux qui sont déjà venus pour Diakonos. Nous allons vivre un temps important demain. Alors, je demande au peuple de Dieu de nous porter en prière pour que ce rassemblement des consacrés, vous qui nous suivez par le monde entier, nous allons vivre un événement assez spécial ici à partir de demain, jusqu'au vendredi. Le corps consacré de l'Église catholique sera ici, avec comme prédicateur principal Monseigneur Barriga, et nous allons vivre un temps formidable. Mais ce soir, je vais vous parler des signes messianiques et les preuves tangibles du royaume de Dieu. Nous sommes à la fin de ce cheminement sur la réalité du royaume de Dieu. Vous voyez, ce qui nous fait souffrir, c'est que nous sommes parfois à l'attente d'un bonheur qui doit venir. Or, le bonheur est déjà là. But the happiness is already here. Le royaume est déjà présent. The kingdom is already present. Alors, les chrétiens parfois se disent, then sometimes Christians, si je suis sous la terre un jour, je serai heureux. Saying, if I'm suffering on earth, I'll be happy someday. Nous sommes déjà heureux. But we are already happy. Parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Because we are in the kingdom of God. Nous sommes citoyens d'une nation. We are citizens of a nation. La Bible parle d'une très grande nation. The Bible speaks about a great nation. Il s'agit d'une nation sainte. A holy nation. Nous avons été déjà rachetés, nous sommes un peuple acquis. We've been redeemed already. Et nous sommes un sacerdoce royal. And we are a royal priesthood. C'est-à-dire, nous servons un roi. We are serving a king. Nous avons jailli de la vie d'un roi. We rose from the life of a king. Et donc, sur la terre, nous pouvons vivre de deux manières notre vie chrétienne. On earth, we can live our Christian life too. Il y a ce que j'appelle la vie chrétienne mondaine. The mondain et finalement, Christian ça, c'est la religiosité. This is about religion.
où nous pouvons vivre notre vie spirituelle we can live our spiritual life selon le plan de Dieu. According to the plan of God. Le plan de Dieu, c'est que tout concourt à notre bien. The plan of God is everything works for our good. Quel que soit ce qu'on peut nous faire. No matter people can do to us. Joseph dans la Bible, Joseph in the Bible, le fils de Jacob, the son of Jacob, a dit une des paroles les plus fortes. Said one of the strongest words. Quand leur père est mort, when the father died, ses frères se sont dit, il va se venger de nous. His brothers thought that he was il a dit quelque chose parce que Joseph avait déjà un pied dans le royaume de Dieu. And because he already had a foot in the kingdom of God. Et parce que Joseph était un homme de Dieu. He was a man of God. Joseph avait une expérience de Dieu. He had an experience of God. Et l'expérience de Dieu que Joseph avait. And the experience he had. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de beaucoup de scandales. Today we talk about scandals. Il faut savoir dans quelle nation nous sommes. Est-ce que nous sommes vraiment citoyens du royaume? If we are truly citizens Joseph, of the kingdom, et quand Joseph, il était vendu, acheté par un officier, when he Potiphar, was sold to the officer, il avait l'occasion he had the opportunity de marier to get married, l'épouse de Potiphar, with et de faire tuer Potiphar, et lui, Joseph, il sera un homme bien. He would have been a good man. Et vous savez, un des pièges de la notion du royaume de Dieu et de l'avènement de Jésus, and the coming of Jesus, et c'est que nous sommes toujours penchés vers le visuel. Is the fact that we are looking le at visuel, what we see. Vous voyez, il y a beaucoup de sectes qui parlent de Jésus viendra sur la terre, vivre 1000 ans après, etc. Non. Jesus coming back on earth. Mais il est déjà présent, but c'est déjà already present. Le déjà, bon, bien sûr, le pas encore, mais il est déjà. He already. Et donc, il faut voir les choses so autrement. We must see things another way. Joseph a refusé. Joseph refused. La compromission. To get combien de chrétiens sont capables how many Christians are able to make that choice de regarder le royaume to look at the kingdom et dire je suis déjà heureux. And say, I'm already je happy. Suis déjà heureux. I am already dis à ton happy. Voisin, je suis déjà tell heureux. Your neighbor, I'm already je suis happy. Déjà heureuse. Et Joseph, and Joseph a dit non. Said no. J'appartiens à un Dieu. I belong to a God. J'appartiens à un Dieu grand et I saint. Belong to a great and holy God. La femme de Potiphar était une femme merveilleuse, jolie, tellement belle. Was so pretty. Et on peut rencontrer des belles créatures humaines de Dieu. And we can meet those creatures, beautiful mais ones, nous sommes du royaume de Dieu. But we are in the kingdom of God. Nous appartenons à un autre monde. We belong to another world. Certes, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes of pas course, du monde. We are in this world, but not a part of it. Alors, qu'est-ce que Jean va faire? Et Jean va nous aider à comprendre, puisque John is going sa to question ask est une question essentielle à Jésus. Because he had an essential question to Jesus. Jean était en prison. He was in prison. Combien de chrétiens, quand ils souffrent, ils se disent, mais Dieu, si tu existes, fais ça. God, if you exist, moi, je ne dis pas ça. I don't say that. Je dis parce que tu existes, tu vas faire. Say, because you exist, c'est très you important. Going to do it. That's very important. Parce que Jean était à l'attente because de quelque John chose. Was expecting something. Il était à l'attente de cette manifestation. He was expecting that manifestation. Réel du royaume porté par le Messie. The real one mais de quel the royaume il s'agissait? But voilà. What kingdom was that about? Quand je dis le royaume de Dieu, vous savez, il y a, quand j'étais petit, when I was a child, j'ai un oncle qui était témoin de Jéhovah. I had an uncle who was witness of Jehovah. Il dit, viens, je vais t'amener dans la maison du royaume. And he said, come, I will bring you to the c'est house of a kingdom. Ah, la maison du royaume. And I said, the et house of a kingdom. Leur temple s'appelle la maison du royaume. And that's the name of the temple. Donc il y a toujours cette tentation de so there's always that temptation de construire d'une manière physique ce royaume. In a physical way, that kingdom. La visibilité du royaume se voit par l'agir du chrétien. Visibility of a kingdom is seen by the actions of a Christian. C'est vraiment un plongeon extraordinaire que Dieu fait and that dans is notre cœur et il construit ce royaume that à l'intérieur. God does in our heart and build that kingdom. Vous savez you know, quand Jean, dans le livre, dans sa révélation, lit l'Apocalypse, il voit la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. The new Jerusalem in Revelation. Bien sûr, Dieu va prendre toujours une image humaine et physique pour nous traduire la réalité spirituelle. Image, mais la réalité spirituelle
elle reste spirituelle. That reality stays spiritual. Donc invisible, so invisible par nos sens, by our senses, mais réel et tangible par ses effets. That is tangible with the, alors efforts. Jean, qui souffre en prison, et parfois vous pouvez commencer quelque chose en disant, le Seigneur va faire, le Seigneur va faire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on dit toujours, Dieu au contrôle. Dieu au contrôle, ou bien, Dieu va faire. Vous voyez, ça ressemble au positivisme. Le positivisme, c'est une sorte de philosophie, de doctrine. Avoir tout positivement, ce n'est pas la foi. La foi, c'est voir tout avec espérance. C'est ça la différence. C'est-à-dire, la foi affirme que ce que je suis en train de vivre, mon Dieu se servira de ça pour me faire grandir. Alors, qu'est-ce que Joseph va dire à ses frères? Parce qu'ils avaient peur, ils se disent, il va se venger. Non, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Ça, c'est un citoyen du royaume de Dieu. Nous pouvons souffrir, frères et sœurs, à cause de la vérité de Jésus-Christ. Nous pouvons souffrir parce que nous apportons un autre message. Un message qui est en contradiction avec le monde. Et c'est pourquoi la grande tentation des chrétiens, c'est de construire un royaume physique sur la terre. Ça, c'est le diable qui dit ça. Mais le royaume, il est déjà là. Et je vis dans le royaume. Je suis citoyen. Donc, Jean le Baptiste ne comprend pas. Est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Ça faisait quand même quelques mois, et c'était difficile pour Jean le Baptiste. So it was a few months, et ce texte que nous allons lire, Jean chapitre 11, verset 2. Jean chapitre 11, verset 2. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Oui. Il lui envoya de ses disciples pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Pourquoi? Parce que Jean avait une interprétation de ce Messie-là. Of that Messiah. Le Messie politique. The Messiah as a politic man, et qui devait venir de la descendance de David, who had to come from the descendants of David pour renverser tout. To throw everything, l'ordre établi par les Romains. The order established by the Romans. Et donc cette parole de Jésus de la Bible, that word in the Bible, où les prisonniers seront libres, prisoners will be free. Jean était à l'attente de cette parole. John was expecting that word. Il ne comprenait pas que cet homme qui est venu, qui fait tant de choses, est-ce qu'il est le Messie? Mais pourquoi je suis encore là? Il y a toujours cette grande tentation de dire, Seigneur, si tu existes, mais pourquoi? Pourquoi je traverse tout cela? Pourquoi? Je vous dis, frères et sœurs, Dieu existe. Et c'est pourquoi quand tu crois à l'évangile de Jésus-Christ, tu es libéré de la pesanteur de ce monde. You are free from that word, the weight of the et ce qui paraît lourd pour les hommes de ce monde, what seems heavy for the people in this world, tu regardes, c'est pourquoi la Bible dit, car il était possible à Dieu. And as the Bible says, nothing is possible. Mais dans quelle mesure? Dans la mesure où but in the je m'ouvre d'abord à son amour. That I open myself to his love first. Quand je touche Dieu, when I touch God, quand je touche Dieu, quand je saisis le Seigneur par la foi, hold the Lord by faith, alors je vois ses miracles. Then I see his miracles. Il dit à mon ami, et c'est notre ami nous tous, Saint Thomas. Parce qu'en fait de compte, on est comme Thomas. And we are il like dit heureux. And he said, happy. Ce qui croit sans avoir vu. Blessed are those who believe. Alors là, c'est une autre échelle de valeur. So this is another scale of value. Comment je peux croire à quelque chose sans voir? How can I comment je peux croire que ce Dieu est bon s'il ne résout pas mon problème? Believing that God is good if he doesn't fix my problem. Non. No. Je dois croire qu'il résout le problème. I must believe he fixes problems. Je dois croire qu'il y a 2000 ans, mes problèmes ont été résolus. Laissez-moi vous dire que quand je dois prier pour les malades, je leur dis, écoutez, j'étais hier encore dans une
zone de l'Abidjan. And yesterday I was in Kumasi, an area of Abidjan. Et des gens ont lâché leur béquille, à Dieu soit la gloire. Mais je leur dis toujours que non, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont guéris. You are not healed today. Ils sont guéris il y a 2000 ans. You've been healed 2000 years ago. Il y a 2000 ans, frères et sœurs, nous sommes totalement guéris, nous sommes libérés, nous sommes sauvés. Il s'agit d'entrer dans cette expérience du salut, de croire. Alors, je vais voir. Alors moi, j'ai envoyé, je dis, tu dois voir dans ton cœur, dans ton esprit, la gloire. Si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Devant des situations les plus difficiles, complexes, il y a une espérance extraordinaire qui ne repose pas sur des données humaines, mais sur ta foi en Dieu. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors Jean était en attente de ce royaume-là. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, amen, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Amen. On acclame Dieu pour cette merveilleuse parole. Alléluia. Alors, quels sont les signes que Jésus, c'est ce que j'appelle la visibilité du royaume. La visibilité du royaume de Dieu, Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit que les démons sont chassés, c'est que le royaume est au milieu de nous. Vous voyez, à la fois, la foi en Jésus-Christ demande de croire avant de voir. Mais ce n'est pas une foi vague. Cette foi a un contenu puissant. It has a powerful content. Parce que ma foi est soutenue par le Saint-Esprit. Because my faith is supported by the Quand Holy Spirit. Cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, so when that lady bleeding for 12 elle a entendu parler de Jésus, mais elle n'avait pas touché Jésus. Elle n'avait pas vu un malade toucher Jésus. Elle est venue, frères et sœurs. Elle so est venue. Came. Elle voit que elle ne peut pas toucher Jésus. Elle ne peut pas arrêter him. Jésus pour parler. Et parce qu'il y avait une foule immense. La garde rapprochée, c'était les Pierre et les autres. So Peter and the Mais elle s'est dit en elle-même. So la foi et herself. Le miracle commencent comme ça. So elle s'est dit en elle-même. Est-ce que tu te dis en toi herself. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient t'aider. Someone is not coming to help Mais elle se dit en elle-même, so she told herself, la foi ne se vit pas par procuration. Faith is not lived through somebody else. Mais elle se dit en elle-même, so she told herself, je sais, I know, je sais, I know, je sais I know, que si je touche son vêtement, that if I touch his clothes, je serai guéri. I be healed. Elle a été guérie avant de toucher. So she was healed before even touching him. J'ai vu des choses extraordinaires. And I saw extraordinary things. Et tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé And someone called dans me un état très critique. In a critical state. Et j'ai fait une toute petite prière, And I made simplement. A small prayer. Et là, je rappelais la personne. And I called that person back. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. It was amazing what God did. Et je crois que cette personne sortira d'ici deux jours de And l'hôpital. I believe that person will leave the hospital in two days. Elle a dit, je sais. She said, I know. Je sais. I know. Je sais. I know. La Bible dit et se dit en elle-même. La foi commence par là. Le miracle ne se trouve pas à l'extérieur. Mais le miracle se produit. Le laboratoire se trouve à l'intérieur. C'est intéressant de voir comment le royaume se manifeste. To see how the kingdom is manifested. Par de toutes petites choses. With small things. Jésus parle des toutes petites graines, mais qui vont porter après des fruits, ou qui vont tellement grandir. Elle a dit, si seulement je touche. Donc, l'effort qu'elle avait à faire, l'effort humain, c'était de toucher. Et c'est très important, je prêche sur ce que j'appelle l'élément du miracle.
preach about the element of a miracle. Elle a dit que si she said, je sais que si je touche, I know that if elle I touch, était déjà guérie. She was already healed. C'est extraordinaire. That is extraordinary. Il y a une de mes filles du Burkinabé, elle, one of my daughter from elle est drépano SS. So she has elle s'appelle Brigitte. J'espère qu'elle me suit là. And I hope she's following. Brigitte était une fille formidable. She was an amazing woman. Oh, déjà à 19 ans, elle avait sa maîtrise en, 19, en droit. She had a master's law. Mais elle souffrait. But she was suffering so much. Et généralement, on dit à 21 ans, 22 ans, ces personnes vont mourir. It is usually said that those persons should die at 21. Et je dis à Brigitte, tu aimes tellement le Seigneur. And I told her, you love the Lord so much. Et que tu dois croire que Dieu te veut. Parce que celui qui meurt, ce n'est pas que Dieu ne l'aime pas. Mais celui qui ne meurt pas comme nous autres, c'est que notre mission n'est pas finie. Alors je lui ai dit, Brigitte, ta mission n'est pas finie. Frère et soeur, vous voyez, il y a des prières païennes qu'on fait. Je dis que si tu te lèves le matin, c'est que tu n'es pas encore bien converti. Et que Dieu te donne encore une chance de conversion. Parce que si tout était parfait, vous savez ce que l'âme aspire à quelque chose de... d'incroyable. Our soul is expecting si tu sors vivant d'un accident, if you're dis alive, Seigneur, j'ai compris que ma mission n'est pas encore terminée. Tell God, I understand, my alors mission je lui ai dit, so I told her, Brigitte, tu as Brigitte, quelque chose à dire. You have something to say. Frères et sœurs, brothers and sisters, ses douleurs sont parties. Her pain left. Quand on examine, elle est toujours SS. So she mais Brigitte doit avoir 45 ans aujourd'hui. And now she is elle n'a pas de douleur. Alléluia. Ce n'est pas des choses compliquées, frères et sœurs. Those are not complicated. Nous devons entrer dans la réalité du royaume qui est à l'intérieur de nous, qui est là. Inside of us. Alléluia. Alléluia. Et avoir un langage du royaume. Le langage du royaume est au-dessus de ce langage humain. Kingdom, qu'est-ce que Jésus a dit à Jean, fariseur? So what Jesus told to John? Il n'a pas dit autre chose. He didn't say anything il dit, else. Allez simplement dire he said, go simply and tell him que les aveugles voient. That blind can see. Les sourds entendent. Vous voyez, ce royaume-là, c'est une réalité invisible. So that kingdom is an invisible reality. Mais qu'il y a des signes tangibles et vérifiables et physiques. Tangible signs who are c'est-à-dire le passage du royaume dans ta vie the passage of a kingdom in provoque your life des signes. Provoke signs. Jésus dit, c'est comme le vent. And Jesus said, it's like tu ne the le wind. Vois pas. You can't see it. Mais tu sais quand il souffle. But you know when he breathes. À cause des branches. Because of the leaves. C'est un royaume spirituel invisible à nos yeux, mais qui est réel, tangible. Which is real and tangible. Alors l'Écriture nous montre and the scriptures shows les signes du royaume. The signs of the kingdom. Alors je commence par les miracles. Let me start with miracles. Les signes du royaume the signs of a kingdom sont les miracles. Are miracles. N'ayez pas peur, frères et sœurs, du mot miracle. Don't be afraid about the et word même miracle. Si on vous traite de chercheur de miracles, and even if people mais laissez-moi vous dire que quand miracles, Jésus vient de ce monde, il y a beaucoup Jesus de religions, il y a beaucoup de discours. There were a lot of religions and speeches. J'étais en face de quelqu'un qui était dans les sciences occultes. And I was with someone in c'était un professeur d'université et on est allé prier pour son... pour son épouse teacher, qui était malade. For his wife, mais avant que son épouse ne vienne, came, le Saint-Esprit a dit à mon cœur qu'il est assis sur elle. The Holy Spirit told me that he was bien sûr, on, il ne faut pas le dire à ce monsieur cette parole. And of course, I couldn't ce que tu reçois, c'est pour indiquer, te préparer pour la prière. Is to prepare you for the prayer. Mais j'ai dit au charismatique, il ne faut pas le dire à monsieur que vous êtes assis sur votre but femme. You shouldn't tell that person what parce you que receive. Le problème que vous allez venir résoudre, vous créez un problème encore plus grand. Because you are going to create a greater problem. Alors, avant qu'elle il dit oui, bon, lui, il était chrétien. So before she came, he said he was mais a il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de puissance. But there's no power. Et lui, il est assis dans le cosmos. Avec, il assiste à des réunions là-bas dans le cosmos. So, bon, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi, c'était son collègue qui était in un peu meetings. Étonné. Mais moi, je riais. Je dis oui. And je montre cette parole de Paul à l'église de Colosse. Je dis, nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Christ. Alléluia. Il dit, bon. Alors, il me fixe. So vous voyez, dans, me. Les gens de sciences occultes, ils exercent un pouvoir so direct. The in occult sciences have a direct power. Ils veulent vous influencer. Ils me fixent. Influence
Je le fixe. So he was looking et at me. Il s'écroule. And I was doing the same and he just fell. Et je l'aide à se relever. And I was helping him. Le royaume est présent nos pharisiens. The kingdom is present, brothers and sisters. C'est parce que nous avons peur, nous mimisons, pharisiens. Because we are afraid. Le royaume est présent. But the kingdom is present. Nous sommes allés parfois dans des missions les plus difficiles, mais la Bible dit que et quand vous touchez, quand vous entrez quelque part, dès que vous foulez le sol, Dieu vous livre le territoire. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous arriver. Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en nourriture. Ce n'est pas une question de nourriture ou de parole. C'est une démonstration de puissance. Nous n'avons pas à discuter. Nous n'avons pas à justifier par nous-mêmes que Jésus est le Messie. Chaque jour, il y a au moins 100 religions qui se créent. Et aujourd'hui, le monde relativise tout. Et aujourd'hui, quand un chef d'État invite les religieux, c'est toutes les religions possibles du monde. En Côte d'Ivoire, c'est impressionnant parce que vous voyez de ces vêtements-là, vous dites, ça existe chez nous. Des gens qui sont habillés comme des papes, des gens qui sont habillés, en fait, toutes sortes de vêtements. Et donc, vous ne pouvez plus discuter de la religion. So you can argue about religion. Vous ne pouvez anymore. Plus dire, non, you chez nous, non, tu ne peux pas justifier. Ta théologie, ta doctrine ne peut pas justifier quelque chose. Il faut la puissance de Dieu. You need the power of God. Qui convainc l'homme. That convinced the person. Jésus dit en parlant du Saint-Esprit, Jesus said about the Holy Spirit, Jean 16, in John 16, verset 8, il dit, quand il viendra, 8, il va nous convaincre de péché. C'est le Saint-Esprit. He will convince c'est pas la morale qui va changer le monde, frère so moral is not going to change the world, but the Holy c'est la puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. Et Jésus dit, si c'est par le Saint-Esprit said, que les malades sont guéris, by the Holy Spirit, that sick que les démons sont chassés, c'est que le royaume est là. Out, that means the kingdom tu ne le vois pas, comme le dit Jésus à Monsieur Nicodème. Tu ne le vois pas, mais quand il souffle, tu vois ces mouvements. But when it blows, you see the movement. La puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. Si nous prenons au sérieux, if you take seriously, il s'agit de prendre au sérieux la puissance du Saint-Esprit. Taking seriously the power of the Holy Spirit. Alors nous allons voir des choses extraordinaires. Then we are going to see extraordinary things. J'ai donné hier un témoignage and I gave a testimony yesterday pour montrer aux chrétiens comment Jésus agit aujourd'hui. How Jesus is performing parce qu'on peut today. Dire que il agit, d'autres disent qu'il agissait. Some people say that, il agissait, mais aujourd'hui, c'est fini. C'était une des discussions du Concile Vatican II. But today it's over. Mais heureusement qu'il y avait le cardinal Schönen et les autres qui ont dit que le Saint-Esprit ne se borne pas à sanctifier le peuple par les ministres, c'est-à-dire les clergés, etc. He was arguing that et par les sacrements, il distribue à tout chrétien. À tout chrétien, de tous ordres, des charismes. Lumen Gentium numéro 12, c'est tellement fort. This is so strong. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est toujours dans l'Église, il est toujours dans le baptisé. Je t'ai dit que tu étais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est l'expérience qui manque. You are lacking the experience. L'expérience tangible. Frères et sœurs, quand la parole de Dieu elle est prêchée dans l'onction, when the word of God is preached in the anointing, je salue tous ceux de Niger. And I'm greeting everyone in Niger. J'ai été invité au Niger, à Niamey. I was invited in Niamey. Et l'évangélisation devait avoir lieu au stade. And it had to happen in the stadium. Mais il y a 6 ans ou 7 ans de cela, c'était le terrorisme. Alors l'archevêque a dit aux communautaires so là-bas, écoute, je donne ma cathédrale. Ils étaient tous fâchés. Okay, je dis non, mais la cathédrale, c'est le and lieu, le siège de l'évêque. This is like the place of a bishop. C'est un privilège. This is a privilege. Mais frères et sœurs, the nous avons commencé l'évangélisation. So we've started the mais il y avait plus de musulmans que de chrétiens. And there are more Muslims than et quand Jésus people. A commencé à guérir, la cour était remplie, frères and et when people started to get healed, et je leur dis, moi, je ne prêche full. Pas la religion. And I said, I'm not je preaching prêche religion. Une personne formidable. I'm preaching an amazing person. Qui est le roi des rois et le seigneur des who seigneurs. Alléluia!
Je ne vous demande pas de devenir chrétien ou catholique, mais je vous demande de croire en Jésus-Christ. Il est au-dessus de toutes les religions. Bien sûr, beaucoup sont devenus catholiques, sont baptisés. Mais l'essentiel, c'est que nous devons présenter l'évangile du royaume de Dieu. Et donc les signes et les miracles ont été des instruments pour les apôtres. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile de parler de Jésus. Mais eux, on les poursuivait. C'est ce que j'appelle le signe démocratique et populaire de la résurrection de Jésus. Le premier signe, c'est le tombeau vide qui marque que Jésus n'est pas là. Je suis entré dans ce tombeau vide. Mais quand on était dans le rang, à 6 mètres, je me suis dit, parce qu'il y avait du monde, c'était vraiment le vendredi saint, il y avait du monde à Jérusalem. Et donc, on était en train de faire. Et quand je suis entré dans cette basilique, à 6 mètres de la tombe, je dis, mais attends, when I was at 6 meters of the il n'est pas ici, alléluia. And I told myself, wait, he's not here. Il n'est pas ici, vous savez ce que j'ai fait? He's not here. Bon, si vous n'êtes pas entré pour aller constater qu'il est ressuscité, allez à Jérusalem. If you never entered there, mais je suis entré et j'ai fait rapidement un signe de croix. So I entered, I did the sign parce que of le tombeau est vide. Because the grave is empty. Ça, c'est la première preuve de la résurrection de Jésus. That is the first proof of the resurrection of Jesus. La deuxième preuve de la résurrection de Jésus, on le voit tout de suite qu'il est apparu. Amen à ses disciples. C'est une preuve assez intéressante. Troisième preuve, c'est l'Eucharistie. Vous voyez, les disciples de Emmaüs, à la fraction du pain, ils l'ont reconnu. Et ça, c'est fort. Mais ça, je dis que ce sont des personnes privilégiés. So those are privileged people. C'est-à-dire ceux qui sont entrés dans le tombeau. They entered into the tomb. Il est apparu aux 12. And he had appeared to the 12. Moins un. Aux 11, voilà. Mais ensuite, les disciples de Emmaüs, c'est qui sont ceux dans le monde qui communiquent, qui and comprennent then, le sens de l'Eucharistie, présence réelle de Jésus. Maintenant, le signe démocratique, c'est les miracles. And now, the democratic sign are ces hommes-là devaient dire que celui qui était crucifié, those people must have said that the one who was qui est mort, who died, il est ressuscité, glorifié, c'est le kérigme. Is resurrected. Il n'avait pas un autre discours. Vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la théologie, and c'est bien. Moi, je suis théologien, c'est une bonne chose. Theology, which is good. Mais on ne prêche pas, on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui peut nous comprendre. But it's not everyone that can understand. Et quand vous prêchez Jésus-Christ, so when you preach Jesus Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, in the power of the Holy Spirit, avant même la prière pour les malades, before even praying for sick vous voyez people, les gens qui acceptent déjà Jésus, qui pleurent. You can see people welcoming Jesus Christ, le jour j'ai reçu moi Jésus en tant que choriste, the day I received Jesus Christ, mais je me Christ, suis dit, mais and I told myself, c'est formidable. That is amazing. Je ne dis pas que les choristes étaient comme moi. Je chantais depuis 8 ans. Were acting like me, but I was singing for 8 oh, years. Oh, les prêtres prêchent très bien. And the brothers were preaching. Mais moi, j'étais tellement good, loin de Dieu que ça ne m'intéressait pas. But I was far from God that I wasn't interested. Un jeune groupe de prière. A young group of prayer. Et ce qui me plaît, c'est que je n'ai pas entendu un chant en langue, une prière en langue. A tongue, a prayer, mais a la tongue, joie de la louange. But the joy of a praise. La joie d'être des frères ensemble. The joy of being brothers en train together, de louer le Seigneur. Praising le Saint-Esprit m'a touché. The Holy Spirit touched me. Alors, frères et sœurs, en un mois et demi, j'ai lu toute la Bible. So in 1 month and a half, I read the entire aujourd'hui, Bible. Je continue à lire la Bible. And today I keep reading. Parce que c'est une lettre qui s'adresse à moi seul. Because bien sûr, à toi aussi. Amen. Is addressed to you. C'est une lettre d'amour pour moi. It is a love letter for me. Jésus, le premier miracle qu'il fait, qu'il opère par le Saint-Esprit, c'est la conversion. Pierre avait eu peur. Il a renié Jésus. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché à 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. And they gave a life to Jesus Christ of Nazareth. La Bible dit qu'ils étaient frappés dans le cœur. And the Bible says frère, qu'est-ce qu'on doit faire?
asking, what must we do? À partir de cet instant, l'église a commencé à s'étendre. Moment, et on voit les apôtres prêcher, frères et sœurs. And we see the apostles nous devons revenir aux signes du royaume. We must come back to the signs of the kingdom. Jésus n'a pas dit à aux disciples de Jean, allez lui dire, je suis le Messie, je suis quoi. Non, il dit, dites-lui que les aveugles voient. Le prophète Isaïe l'avait déjà mentionné. And the prophet Isaiah had mentioned this. Et donc, ce sont les signes messianiques. So those are signs of a Messiah. Et les guérisons viennent attester la parole de and Dieu. Ils allaient prêcher et le Seigneur travaillait avec eux and the Lord was en attestant la parole par des guérisons. Testifying the word. Marc chapitre 16, verset 20. 19-20. C'est clair que nous devons nous ouvrir à la puissance du Saint-Esprit. Les hommes d'aujourd'hui, vous pensez que c'est facile à croire? Do you believe that it's easy to believe now? Et je vous annonce peut-être une très bonne nouvelle pour les vacanciers. And I give you great news for the people. Désormais, on ira en vacances dans les astres. From now on, you can go. Vous voyez, c'est ce qui est en train de se faire dans le mois de juillet. In July, people are dans le mois de juillet, des milliardaires vont billionaires en l'air. Vous comprenez? Le monde se développe. Vous voyez, aujourd'hui, vous me suivez à travers Divine Amour TV par des moyens techniques aujourd'hui. Et le monde est arrivé à une grande intelligence où il y a une médecine sans douleur. Une médecine sans douleur. La première fois de ma vie où j'ai été hospitalisé, c'était aux États-Unis. On venait chaque jour, on me piquait. Peine, no peine, peine. Et maintenant, tu dois dire si c'est 10, si c'est 9. Bon. Au début, je ne comprenais pas bien parce que je ne suis pas fort en anglais. J'aime l'anglais, mais je ne suis pas fort en anglais. Alors, je me suis mis en mode no peine et m'ont libéré de l'hôpital. Parce que si tu dis que tu sors, on te maintient encore. Je me suis mis en mode no peine. Mais ce monde-là, vous pensez que c'est facile pour eux de croire en Jésus-Christ? Ce monde qui voit la pandémie des milliers de personnes qui meurent chaque jour dans le monde entier. Quel évangile, quel message nous pouvons leur donner? Votre philosophie et votre doctrine, votre théologie ne suffiront pas pour convaincre ce monde que Jésus-Christ est le Seigneur. Vous connaissez la vie du Saint Curé d'Ars? Il n'a même pas eu le bac théologique. Enfin, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir le bac théologique. Mais il rayonnait de gloire. But he had a ray of glory around quand him. Vous allez à Ars, vous savez que un saint est passé par you là. Know that a holy person lived oui. There. Vous savez, j'étais là, San Giovanni Rotondo. And I went in, Padre Pio. In the city of Padre Pio. Pour dire simplement les contemporains, frères et sœurs. Mais après, il faut aller voir. Ce que Saint François qui arrive à dompter un animal féroce par la puissance du Saint-Esprit ne minimise pas les charismes que Dieu t'a donnés. Ne minimise pas le don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va intervenir dans ton entreprise, dans ton conseil d'administration. On va dire, mais quelle intelligence! Ce sont les signes. Le monde a soif. Le monde est en attente, frères et sœurs. Et le monde a besoin du Jésus des évangiles. The Jesus of the gospel. L'Afrique a besoin de ça, frères et sœurs. Africa needs that. Comment annoncer l'évangile à Jésus-Christ? How to preach the gospel? Je salue le Père Gilles. And I'm greeting Father Gilles. J'ai été invité par l'évêque prédicateur de ce de Diakonos. I was invited by the bishop. À Takwame. Aujourd'hui, il est à Lomé. And he is mais at Lomé now. Le vicaire général, so the general priest, a voulu que l'évangélisation se fasse dans un lieu où il y a le fétiche. The evangelization et happened comme image, dans ce lieu, il n'y a pas d'électricité. Where there was a fetish. Alors qu'Atakwame est une belle ville, hein? J'aime beaucoup Atakwame, je suis citoyen d'Atakwame. Bon, au début, on n'a pas bien compris, ok? Mais frères et sœurs, quand ces gens, ces féticheurs, on vit la puissance de Jésus-Christ se manifester. Le grand féticheur d'Atakwame a ramassé tous ses fétiches pour aller dans nos vicaires généraux. Alléluia! Nous ne pouvons pas, c'est pas possible, frères et sœurs.
annoncer autrement Jésus que ce que les apôtres ont fait. Jesus Christ another way. Et peut-être qu'on peut croire, c'est bien, les gens viennent à la prière, and maybe we can believe that mais people are coming ils ont to des the prayer, fétiches but they still autour have des reins. Oh, ils viennent à la prière le dimanche à l'église. So they come at church, mais Sundays, pour résoudre le problème, ils vont chez le féticheur du village. The problems, they go to the et puis pour eux, c'est logique. And this is ils ne croient pas à notre religion. Ils ne croient pas, frères et sœurs, ne vous fatiguez pas. Dans mon village, yourself, qui s'appelle Atobro, in my village, quand ils vieillissent, ils se convertissent parce que, enfin, when they get ils se convertissent, se font baptiser parce qu'ils ils aiment les obsèques chrétiennes. C'est-à-dire que les chants, la messe pour enterrer, là, c'est ça qu'ils aiment. They love it. Vous comprenez? Do you understand? Où nous avons mis l'évangile de Jésus-Christ. Where we voilà. Have put the gospel of Jesus Christ. Et c'est ça. Bon, ils disent c'est bien. Et aller à l'église, c'est bien propre, hein, c'est civilisé. So, même se marier church, à l'église, c'est bien. C'est bien. Good. Avoir le baptême, les sacrements, c'est bon. Mais la Bible dit il renie la puissance. They deny the power. C'est-à-dire, ils n'y croient pas. L'église, c'est le temple de la résurrection. Church, c'est-à-dire, quand tu entres à l'église, tu dois rire, tu dois dire, church, Alléluia. David déjà disait que je suis dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. David déjà, il dit, une heure dans tes pavés vaut mieux. Il n'avait pas le Saint-Sacrement. So he didn't have the vous comprenez? Mais il dit une heure. But he said one pas simplement à l'intérieur du temple. Not just in the temple. Non. Dans les pavés. In the province. C'est-à-dire à la terrasse de l'église. Donc, du at temple, si vous vaut mieux que mille ailleurs. C'est-à-dire en boîte de nuit. Hein, même dans les sauts d'affaires. Partout. Else, hein. Everywhere. Mais aujourd'hui. But today, dans chaque église, in each church, et comme le dira la petite Thérèse, on sent le battement du cœur de Jésus. We can feel the heart of Jesus beating. Mais normalement, frères et sœurs, nous on a situé l'église en colline pour qu'on monte à Jérusalem. Mais on a plus que Jérusalem aujourd'hui. We have more than Jerusalem today. On a plus que l'arche de l'Alliance. More than the Ark of the Covenant. On a Jésus Eucharistie. Mais pourquoi est-ce que tu viens pour remplir un devoir et du jeu? So how do you come in church for a duty? Tu dois venir pour une rencontre. You must believe, come for a meeting. Une rencontre merveilleuse avec ton Dieu. An amazing encounter with your God. Et ce mystère de la messe qui se déroule devant toi, and that mystery c'est of le ciel mass qui t'embrasse. Happening is heaven. C'est Dieu qui te sert. You. God, holy, je t'ai aimé le monde, que j'ai I've donné mon so fils unique. That I gave my only son. Vous comprenez, frères et sœurs, revenons à la puissance du Saint-Esprit comme instrument d'évangélisation. To preach. Nous avons le Saint-Esprit we have the Holy Spirit. Depuis le baptême. Since the baptism, nous devons laisser l'Esprit Saint agir. We must let him perform. Nos parents africains, our African vous savez, on parle des Africains, mais frères et sœurs, écoutez, là où je vois le plus de pleurs, c'est en Italie. A lot of people crying is in Italy. À Salerno, la fille de la bergère, the daughter of the shepherd, elle était sourde, elle commence à entendre, toute l'église pleure. She was starting to hear, une autre de ses filles avait eu une colonne vertébrale depuis 2 ans, était penchée. Was painted elle portait for un appareil, years, là elle avait 19 ou 20 ans. Alors, something in her back, l'appareil a été ôté par la puissance du Saint-Esprit. Was elle est redressée. Mais tous les gens pleurent. So everyone pourquoi cried. Why? Pourquoi? Why? Tout simplement parce qu'ils retrouvent simply Jésus des évangiles. They found Jesus au Luxembourg, dans un back pays où il n'y a pas d'Africains. In Luxembourg, a country, dans un stade, deux rangées de fauteuils roulants. I had two lines of la majorité qui chairs, soulèvent leurs chaises et qui marchent. People holding it and walking again. Alors les gens rencontrent Jésus-Christ. Then people meet Jesus Christ. À Paris. In Paris. Une personne cancer des os, elle s'appelle Maggie, je salue Maggie, and tu I me greet suis, her if you're following Maggie. Elle a ôté sa chaise roulante, she removed her chair. Quand le médecin, vous savez, moi je demande toujours que le médecin vérifie, and hein. I always je crois, the doctor to confirm. Mais nous sommes dans un monde rationnel, I believe, but we are in the rational world. Et le médecin se convertit lui-même, il dit c'est pas possible, il dit c'est Jésus, c'est Jésus qui l'a fait. Life to Jesus.
Partout, frères et sœurs, où l'évangile est prêché avec la puissance du Saint-Esprit, les âmes se convertissent. Souls convert themselves. Bien sûr, après, il faut la catéchèse, il faut qu'ils grandissent. Il faut ne pas demeurer des bébés, quoi. To not just say spiritual babies. Dieu nous montre des signes pour que nous puissions reconnaître God is giving us celui qui signifie Jésus-Christ de Nazareth. To recognize très Jesus important. Christ. That is very important. Les signes conduisent au signifié Jésus-Christ. To Jesus Christ. Entre la fumée et le feu, qu'est-ce qui est important? Ce qu'on voit, c'est la fumée, mais c'est qu'il y a le feu quelque part. Alors, on traverse la fumée, on traverse les signes pour toucher Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir, je veux que tu fasses une expérience de ce royaume de Dieu manifesté. Ce soir, nous aurons un temps formidable. C'est le dernier jour de ce cheminement. Le royaume est réel. Et je finis avec le deuxième signe. Pour moi, qui est un signe majeur and du royaume. Let me end with the second sign, which is a major et ce signe-là, frères et sœurs, on n'a même pas besoin d'être chrétien. We don't even need to be a Christian. Mais quand ce signe est manifesté, but when it is manifested, les gens reconnaissent que Dieu est là. People recognize that God is c'est there. L'amour de Dieu, l'amour. Love. Je dis, c'est un signe tangible. This is a tangible sign. Le jour où le monde entier the day where the entire world a primé Mère Teresa, gave a prize to Mother Teresa, une femme dans l'église, une religieuse. A nun in the church. Elle a eu le prix Nobel de la paix. She had the Nobel Prize of j'ai dit aux communautaires, and I told people in the voici community, le signe du royaume. This is the sign of a kingdom. Même les francs-maçons, even the Freemasons, les rosicriciens, les féticheurs, les marabouts, tous vont reconnaître. Bon, quand je dis marabout, ce n'est pas comme le Sénégal. Hein. Au Sénégal, quand on dit marabout, ce sont des imams. Bon, donc, parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit marabout, ce sont des féticheurs. Voilà, donc so il faut faire I'm la différence. Marabou, okay? I'm talking donc about les féticheurs fetishmen vont reconnaître que Dieu est en toi par going l'amour. To recognize that God is in you. Mère Teresa, comment se fait-il qu'une jeune religieuse so how come that young nun, à Calcutta, Calcutta, quand elle voit la souffrance, vous voyez, et c'est pourquoi le pape François est un signe, est un signe des temps. A sign of times. Vous voyez, François est élu, he was elected. Il va pour faire sa première déclaration, he goes to do the first un évêque, un cardinal ami à lui, qui le connaît bien, vous savez, que ce soit une communauté où on est beaucoup, mais il y a quand même des affinités. On partage parfois des choses avec we certaines personnes. Friends, il connaît bien François. So he knew him. Il bloque François. Il dit, n'oublie pas les pauvres. So he told him, don't forget the poor. Frères et sœurs, brothers and sisters, ce signe-là, that sign, le monde est en attente. The world is expecting it. C'est ce signe-là, that Jésus sign, dit and Jesus said, que c'est par ce signe. Vous savez, il y a deux signes que l'Église cherche. Hein. So il y a l'unité, il y a l'amour. Is looking for two signs, on reconnaîtra unity and love. Que vous êtes mes disciples. We are going to recognize that you ce are signe-là montre que tu es vraiment enfant that de Dieu. Sign shows that you are truly peut-être que tu a peux child t'amuser dans les démonstrations charismatiques, il n'y a pas de problème, c'est bien. Et les gens vont se convertir. And people are going to mais get toi, tu peux être disqualifié. Demonstration, but you could voilà, be disqualified. Vous savez, je dis toujours chrétien, as le diable, tout ce qu'il fait là, cette puissance, elle l'a reçue de Dieu, mais Dieu n'a pas enlevé. The devil has mais la puissance est corrompue. From God, but it is quand la puissance ne suit plus sa direction. When it doesn't follow the et on right voit aussi des gens qui s'égarent. Parce que and bon, we see people getting lost. Mais l'amour est vrai. But love is true. L'amour montre que quelqu'un vit en toi. Love shows that someone is living inside l'amour, of c'est you. Aimer son ennemi. It is loving your enemy. Frères et sœurs, je peux vous dire quelque chose. And I can tell you. Je vous donne des exemples, des témoignages de I'm beaucoup de musulmans qui se sont dit examples, ah, votre Jésus, il est vraiment réel. Of Muslim people saying, parce que tu Jesus as accepté telle chose. You have agreed to something. Mon gardien qui est là, qui est assis là. My guardian, je ne lui ai jamais dit, I've never told il him. Vit ici aussi avec nous. Hein. He lives sa here femme, c'est mon, lui, il est mon fils, sa femme est ma fille. He is my son, his mais wife is my daughter. Je ne lui ai jamais dit, écoute, I've never asked him, et rencontre Jésus-Christ, mais il entend ce que je suis en train de dire. Jesus Christ, but he's hearing what I'm saying. Mais écoutez, il m'a dit un jour, but one day Dieu est vraiment là. God is truly here. C'est tout. That's it.
Vous voyez, Jésus ne nous envoie pas à convertir le monde Jesus entier. Is not sending us to convert the entire world. Il nous envoie à prêcher l'évangile au monde entier. He's sending us to preach the gospel to the entire world. Pour servir de témoignage. To be witnesses. Celui qui croira sera sauvé, comme le dit Jésus lui-même. Et celui qui ne croira pas sera condamné. And the one who doesn't believe will be condemned. Le message que nous devons porter au monde, c'est pas pour imposer Jésus-Christ, mais c'est pour exposer Jésus-Christ, présenter Jésus-Christ au monde. To present him to the world. Les miracles et l'amour. Miracles and love. Dieu est amour. God is love. Et je peux vous dire, frères et sœurs, and I can tell you, brothers and sisters, j'ai, dans le ministère que j'exerce, il y a beaucoup de délivrances que Dieu me pousse à prier pour les gens. God makes me mais pray quand for tu finis de prier pour la personne, but when you are done praying, il faut for qu'elle that passe person, se confesser, has to go to confession, il faut qu'elle s'engage dans une vie dans l'esprit. And to start mais si elle garde les mêmes rancunes, le démon revient. The same habits, le démon the peut aller vers back. Vous si vous exercez les charismes, les puissances, mais pourtant exercez. Il va vous dire que vous êtes le champion, vous êtes le meilleur, vous êtes bien et vous allez être gonflé. Mais il ne viendra jamais vers vous si vous pratiquez l'amour. Vous savez, la pratique de l'amour, la vie de l'amour, c'est la charité. Il ne viendra jamais vers vous parce qu'il ne se tient pas, il ne peut pas se tenir dans la vérité. L'amour est la vérité. Ce sont les deux signes que le monde attend, frères et sœurs. Gandhi a dit, et je m'arrête là, s'il avait vu les chrétiens joyeux, il se trompe, il se serait converti. S'il avait vu les chrétiens tels que dit dans l'évangile, il serait converti. Parce que la source de son inspiration, je vous le dis, c'est l'évangile. Oui. Gandhi a lu la Bible. He read the Bible. Et je sais que cet homme, parce que il est bouddhiste, mais je sais qu'il est sauvé. Hein, parce qu'il a porté au monde les revendications et la non-violence. Dans... Il a fait comme Martin Luther King. He did as Martin la non-violence. Luther King. C'est-à-dire que qui pouvait toucher quelqu'un aussi en profondeur si ce n'est la grâce de Dieu par Jésus-Christ? Vous savez, j'ai dit à Niamey aux gens, ou je dis partout, Jésus n'est pas un chrétien. Il est Dieu. Il appartient à tout le monde. Il n'appartient pas aux catholiques, ni à ceux qu'on appelle chrétiens. Il est le sauveur du monde. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui sauve, qui quoi? Qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit le péché des chrétiens, ni même des disciples, mais du monde. Il est la solution de Dieu pour le monde. Frères et sœurs, il faut casser toutes les barrières. Si tu vois que quelqu'un a quelque chose contre toi, la Bible dit, va te réconcilier. C'est casser les barrières. Mais le démon ne pourra pas toucher. Le démon peut toucher si vous restez simplement dans l'exercice des charismes, c'est une bonne chose, je vous le dis, il faut le rester. Mais l'amour est un signe grand du royaume. On n'a jamais vu quelqu'un comme Jésus. Il est unique par les prophéties sur sa vie. Il est unique par son incarnation. Il est unique par son enseignement, mais surtout par sa manière de vivre. Un jour, je lui dis, mais Jésus, je comprends pourquoi tu as des problèmes. I understand why you have problems. Mais tu ne prends pas les bonnes personnes pour te suivre. You don't take the good person to follow you. Vous savez que quand Jésus vous a appelé, c'est que vous n'êtes pas une bonne personne. Do you know when he called you, he knew you were not a good person. Je lui dis, mais imaginez-vous quand ils sont allés à Cana. So imagine yourself when les they went 12 to Cana, plus Jésus. The 12 la démarche de Pierre, de Jacques Jesus, et les autres. The way Peter and Jake ceux qui ont fini le vin. They drank all the wine. Parce que l'Écriture nous dit que Jésus est, enfin, Marie était invitée et puis Jésus aussi. Mais so eux Mary was invited, sont venus, Jesus vous voyez. But they came along Jésus with qui justifie Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Vous savez, la religion sépare les hommes, ceux qui sont bien, ceux qui sont saints et ceux qui sont mauvais. Those who are holy, bad, l'Évangile rassemble. Jésus dit, je suis venu
pas pour les justes, Jesus said, I didn't came ni pour les bons portants, mais pour les pécheurs, dont moi je suis le premier. Sinners, c'est Jésus que moi j'ai rencontré, et je dis souvent, il est sorti de la religion pour me rencontrer. Parce que j'avais beaucoup de choses contre la religion. Je trouvais qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien. Je trouvais que le pauvre n'avait pas sa place. Je trouvais qu'il y a quelque chose, mais il est sorti de là. Pour me rencontrer. To meet me. Et c'est Jésus que moi j'ai choisi. And that Jesus I have chosen. C'est Jésus de la miséricorde. Is the Jesus of mercy. Vous savez? You know. Ce que le pécheur a besoin d'entendre, c'est l'amour de What Jésus. What the sinner needs is the love of Jesus. C'est pas ta morale qui va It's faire changer. Not your moral that is Quand quelqu'un prend la drogue, change. Il sait que prendre la drogue c'est pas bien. When someone is Quand quelqu'un entre dans la fornication, il sait que c'est pas bien. When they Quand quelqu'un tue, il sait que c'est pas bien. They know it's not good. Donc, il sait, tu ne peux pas lui dire, non, ne fais pas ces choses. So on m'a donné des conseils, them, moi. Don't do les that. Conseils m'ont attristé un peu. And I have personally received mais advices, je n'ai pas changé. But I didn't change for that. Vous savez, l'un des premiers livres qui a suscité le renouveau charismatique catholique dans l'Église, c'était La Croix et le Poignard. Was the Ce jeune pasteur américain, David Wilkerson, il faut lire ce livre, hein. Ce n'est pas un pasteur book. Qui nous insulte, hein, comme ceux qui sont au Congo. Ceux qui sont au Congo, il y a des très bons pasteurs, mais il y a des pasteurs, il y a un pasteur qui nous insulte. In Congo, hein? Mon fils, il faut répondre. Il faut répondre à ce pasteur-là. Tu es un homme de la parole. Il faut répondre, qui dit que nous, on est dans la salle d'attente de quoi la même. En fait, oh, Dieu merci, j'ai oublié ça. Bon, heureusement que le père Blaise du Congo a répondu. Bon, Blaise, franchement, dire, non, je vous dis, je ne suis pas, ce n'est pas mes gens de parole, mais cet homme n'est pas un chrétien. And I'm telling you, this is not a Christian person. Non, non, parce que là. La Bible qui dit même les prostituées vont vous dépasser. The Bible says even the prostitutes. Comme on n'est pas des prostituées. Enter the kingdom, and we are not on prie even un peu, mais on prie quand même. We pray a little, at least. Vous comprenez? Do you understand? Non, c'est très important, frères so, et sœurs. That mais is pourtant, very important. Il faut l'aimer. Il faut aimer cet homme. But we must love that man. Voici la contradiction avec le monde. This is the contradiction with the world. C'est qu'avec Jésus, quelqu'un comme Paul de Saul. Like with et Jesus, touché, il devient le champion. Someone as Paul becomes the champion. Marie-Madeleine, qui est la prostituée, qui doit être vomie, the prostitute, est le premier témoin de l'évangile, de la résurrection. Is the first witness of resurrection. Vous comprenez? Do you understand? Le royaume, c'est ça. That's the kingdom. C'est la présence de l'amour de Dieu dans ce monde. The presence of the love of God et tout ce que world. Tout à l'heure, quand on va prier les guérisons, c'est l'amour pray, qui se manifeste. Healings are just love Dieu ne fait pas de démonstration. God doesn't make demonstrations. Et notre louange n'ajoute rien à sa gloire. And c'est-à-dire tout ce que tu vas dire de lui, c'est petit par rapport à ce qu'il est. Everything that you are going to say about him is small. Mais il nous touche par amour. But he touches us. Il touche les non-croyants comme les croyants. The non-believers as the believers. Alors, mon frère, ma so sœur, crois à l'évangile du royaume de Dieu. Believe to the gospel of a kingdom of God. C'est que tu es un ambassadeur de Christ. Notre seule mission sur la terre, c'est de représenter Jésus-Christ. Our only mission on earth to represent Jesus. Nous appartenons à une nation, une autre nation. We belong to another nation. Une nation d'amour. A nation of love. Oh, le jour où je vais entrer au ciel, the day I will enter je vais m'asseoir heaven. Pendant une semaine devant la porte du royaume. I'm going to sit for a week. Et saluer tous les pécheurs comme moi qui entrent. At the c'est door. C'est vraiment ce que Dieu me donne ce plaisir de faire. Entry. C'est pas que je le loue, Seigneur, j'ai de louer. I'm going mais to pray, mais j'ai besoin de m'asseoir et voir les pécheurs entrer. Jésus est la porte des pécheurs. Jesus is the door for the sinners. C'est extraordinaire. That is extraordinary. Vous comprenez? Do you understand? Ne les juge pas. Don't judge ne dis pas tu es prostituée. Don't say you are ne dis pas le pape dit mais qui suis-je pour les juger? Who ne les juge am pas. I to judge them as the parce qu'il n'y a pas de petit péché, tout péché est péché. Because all the sins c'est aller hors la volonté de Dieu, c'est tout. It's against the alors, frère et sœur, pour dire simplement que nous devons être la manifestation visible du royaume par le pardon. By the forgiveness. Pardon. Forgiveness. Par la manifestation de l'amour. The manifestation of love. Jésus nous donne un langage qui n'est pas le langage de terre.
gives us another language. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Pray for people who persecute. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. God bless you. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre Père fondateur disait tout à l'heure, que, rappelant l'évangile, que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Donc tu vas dire à ton voisin à côté, Excellence, écoute. Il nous a rappelé tout à l'heure que le royaume de Dieu se manifeste par de petites choses. Ce sont de petites graines qui portent beaucoup de fruits. Donc chacun de nous a quelque chose à partager. Chacun de nous a quelque chose à partager. Souvenons-nous d'hier, l'évangile d'hier, il y avait un anonyme, un enfant anonyme comme toi et moi, qui avait 5 pains et 2 poissons. C'est avec ces 5 pains et ces 2 poissons qu'on a pu nourrir une multitude. Il en est de même pour nous qui sommes venus ce soir pour entendre la parole de Dieu, pour recevoir la semence de vie. Et le prédicateur disait aussi qu'un signe du royaume, c'est l'amour. Donc lorsque nous manifestons l'amour, nous donnons pour que l'œuvre de Dieu, pour que l'évangile soit porté au monde entier. Il y a des frères qui nous suivent du Sénégal. Il faut qu'un jour, il y ait 1 000 au Sénégal. Il y ait 1 000 au Canada. Il faut qu'il y ait il y aura 1 000 au Ghana. Même si la batterie tombe, il y aura 1 000 au Ghana, il y aura 1 000 au Canada. Alors, nous allons donner ce que nous avons, pas pour nous débarrasser, mais avec tout notre amour. Nous allons attacher l'amour à notre offrande de ce soir. Nous avons eu un cheminement tout pendant 1 mois, et ce soir, c'est aussi une action de grâce que nous faisons. Nous allons soutenir l'œuvre. Quand nous venons, peut-être que nous avons commencé à donner 500 francs. Ça prenait 5 chaises. Il faut que nous puissions grandir dans notre offrande aussi. Veillez à ce que nous puissions donner 10 chaises pour 10 chaises. Que les écrans, on achète plus d'écrans, qu'on achète plus de micros. Donc nous allons nous lever et nous allons faire notre offrande en rendant grâce à Dieu. Mais nous allons prier, nous allons dire à Dieu en ce soir. Seigneur, c'est avec action de grâce que nous voulons te donner ce que ta main nous a donné. Nous voulons toujours te donner par amour et pour que ton œuvre soit le reflet de ta gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Il y a une retraite spéciale jeunes adolescents de 10 à 16 ans. Cette retraite
spéciale aura lieu du lundi 2 août 2021 à 17h au vendredi 6 août 2021 à 13h. Le thème « Je t'ai choisi dès le sein maternel ». La Bible dit qu'il faut enseigner nos enfants dès le jeune âge, afin que, devenus grands, ils ne se détournent pas de la loi du Seigneur. Donc, inscrivons nos enfants pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu et se conformer à cette parole. La participation est de 40 000 francs. C'est une retraite qui dure environ une semaine. Deuxième information, séminaire de victoire. Connaître et vaincre la sorcellerie, acte 3. L'objectif est de renverser les forteresses des génies et des sorciers dans le contexte négro-africain. La date du samedi 7 août 2021 de 8h à 18h30 et le dimanche 8 août 2021 de 8h à 13h. Le thème, il a dépouillé les principautés et les puissances et les a donnés en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. La participation est de 15 000 francs en présentiel et 10 000 francs en ligne. Troisième information, Maria 2021. Tu vas dire Maria, nous avons Maria tous les 2 ans et ce grand séminaire aura lieu du jeudi 12 août 2021 au dimanche 15 août 2021. Le thème, Bienheureuse celle qui a cru. L'entrée est gratuite. Quatrième information concerne une retraite jeune. Ceux qui ont plus de 16 ans. Du vendredi 27 août à 17h au dimanche 29 août à 13h. Le thème, car rien n'est impossible à Dieu. Cinquième information concerne le séminaire sous l'influence de la grâce, acte 2. Du 21 août au 22 août en ouvert, le tarif est de 15 000 francs. Pour les jeunes, la retraite est de 20 000 francs en fermé et de 15 000 francs en ouvert. La sixième information concerne le Rassemblement international des femmes, le RIF, qui aura lieu ce week-end vendredi 30 au dimanche 1er août. Nous avons quelques CD à présenter pour notre édification, vous pouvez vous en procurer à la table de presse à la sortie. Demain commence le grand rassemblement des prêtres, des consacrés, des prêtres et religieuses appelés diaconos. Nous pouvons encore offrir nos 5 pains et 2 poissons pour que cette retraite puisse porter tous ses fruits. La retraite des enfants, c'est mentionné ici 10 à 16 ans, mais c'est 12 à 16 ans. Merci. Amen. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Se met debout et nous allons exalter le Seigneur, le roi des gloires. C'est une soirée inédite ce soir. Alléluia. Nous allons bénir notre Dieu et roi. Bless our Lord. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que tu veux être un instrument du royaume de Dieu? Qui veut être un instrument du royaume de Dieu? Who wants to be an instrument of the kingdom of God? Le monde a besoin des chrétiens. The world needs Christians. Nous portons Dieu. We are carrying God. Le monde a besoin de notre témoignage. The world needs our testimony.
L'Afrique a besoin de Jésus. Needs Jesus. Jésus des évangiles. The Jesus of the gospel. Jésus qui comprend l'homme. Jesus who understands ses peurs, ses craintes. Our fears. Aussi ses espérances. And hope. Alors il faut que tu sois le signe du royaume. You must be the sign of a kingdom. On va adorer notre Dieu. Let's worship our God. Il y a un nom, il y a un nom. Ce nom vient du ciel, ce nom vient du ciel. Il fait des merveilles. Parler des deux signes. I spoke about the two signs. Important. Important ones. Jésus a dit. Jesus said. Les aveugles voient. Blind see. Les sourds entendent. Deaf hear. Les boiteux marchent. Lame walk. Les lépreux sont purifiés. Et les morts ressuscitent. And deaf are raised. Je parlais ensuite de l'amour. And I spoke about love. J'ai donné un témoignage que je n'ai pas achevé. And I gave a testimony. I c'est l'histoire de ce pasteur qui a dit the story of that pastor au chef bandit, who told to the chief of à l'agresseur de New York, someone who was Jésus t'aime. Aggressing someone, Jesus loves you. Oui. Yes. L'amour est folie, frère Russell. Love is crazy. Dieu aime. God loves. Même celui qui est en prison. Even the one in jail. Il dit, j'étais en prison. He said, I was in prison. J'étais étranger. I was a stranger. J'ai eu faim. I was hungry. J'ai eu soif. I was thirsty. J'étais nu. I was naked. Alors ce soir, then tonight, ce sera un grand déploiement du royaume de Dieu. This will be a deployment of kingdom of God. Mais pour cela, nous allons entrer dans un temps d'adoration. But for that, let's enter in the time of worship. Nous allons toucher Dieu, frères et sœurs. Touch God, brothers and sisters. Nous allons toucher Dieu. We are going to touch God. Par notre cœur, par notre amour, par notre adoration. Our hearts, our love and worshiping. Alors, tu vas commencer à parler à ton Dieu. Start talking to your God. Commence à parler. Start talking. Et une relation personnelle avec Dieu. Quand on dit parle à Dieu, c'est pour que tu construis cette relation personnelle. So talking to him is to build thy personal relationship. Oh,
Oh, in the obscuration. Yahweh. Yahweh. Appelle Yahweh. C'est un Dieu d'amour. It is a God of love. Il a donné son fils unique. He gave his only son. Il a donné son unique. He gave his unique son. C'est un Dieu grand. It is a great God. Et sa puissance. And his power. Elle se manifeste. Is manifested. La main de ce Dieu fort. The hand of that strong God. Est en train de vous toucher. You. Parce que l'Esprit Saint vous localise. The Holy Spirit is located. Vous allez les faire venir ici. Et tu continues à l'adorer. So keep worshiping. Quand nous adorons Dieu de cette façon, when we worship God this way, nous sommes transportés dans les hauteurs. In the higher places. Et nous sommes transportés dans les hauteurs. La puissance de Dieu touche le cœur. Le royaume est présent. The kingdom is present. Le royaume est présent. Continuons à adorer Dieu. Let's keep worshiping God. Yahweh.
vont les visiter, mais ils sont 15 personnes. Ils sont touchés profondément. Jésus guérit votre cœur. La conversion, c'est d'abord la guérison de ton cœur. Un changement de direction dans ta vie. Of direction in your life. Dieu prend la place. God is taking the place. Alors Dieu vit. Il y a plusieurs personnes qui font une véritable expérience de conversion par la visitation du Saint-Esprit. By the visitation of the Holy Spirit. Je vais demander à toutes ces personnes qui sont en train d'expérimenter Jésus vivant who are experiencing Jesus alive, et qui nous touche, qui guérit notre cœur, qui guérit notre vie, qui donne un sens à notre vie. Aidez ces personnes à venir ici, je vais prier pour help elles. Them come here. I pray for them. Nous avons un Père we have a Father qui nous a donné son Fils who gave us his son, qui est devenu notre frère. Who became vous our les faites brother. Lever, je vais prier pour ces personnes. Dieu est en train d'agir God is acting en puissance. With power. La puissance de Dieu est en train de vous toucher. The power of God is touching us. Vous savez, ne pleurez pas. Il y a un jour où don't cry. L'évangile entre dans les profondeurs de notre être. Where the gospel enters in your on va prendre quel ami heart. Fidèle. Il est fidèle. Je veux que nous. He is faithful. Jésus est la chance de nous les pécheurs. Jesus is the luck of us sinners. Avant Jésus, la religion condamnait les gens. Les pécheurs n'avaient pas le droit d'être cités. Les lépreux ou autres étaient dans les périphéries. Le pape demande aux chrétiens d'aller dans les périphéries. Quittons notre confort religieux pour aller dans les périphéries. Là où l'évangile est célébré. L'évangile se célèbre. Là où les pécheurs rencontrent Jésus-Christ. And it's at the place la where Bible dit un seul, the Bible le says, ciel est en fête. For one, heaven is celebrating. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt. Toujours prêt à nous entendre. À répondre. L'objet de la prédication des disciples de Jésus, c'était le royaume de Dieu. La plus grande demande chrétienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. C'est la plus. C'est dont le monde a besoin. That's what the world needs. C'est que le règne de Dieu descend dans le cœur des hommes. To come in people's hearts. Il y a trois jeunes filles. There are three young ladies. Vraiment, Jésus vous aime. Je donne ces paroles. Jesus truly loves you.
qui viennent de découvrir un amour fou de Dieu maintenant. They have just discovered the love of God. Et je dis, and I'm saying, Dieu vous a touché. God has touched you. Votre vie ne sera plus la même. Your life will never be the same anymore. N'ayez plus honte de votre existence. Don't be ashamed of your existence. Jésus vient de vous toucher. Jesus just touched you. Elles sont ici. They are here. Elles sont ici. They are present here. Il y a un recommencement qui est là. Vous repartez à zéro avec Dieu. You are starting over with God. Quand le royaume est prêché, when the kingdom is preached, l'amour se manifeste. Love is manifested. Les deux autres, vous êtes libres de venir ou de parvenir. Mais you are free to come here. Tout, c'est l'amour de Dieu. This is the love of God. Le royaume, the kingdom, est réel. Is real. Seigneur, ton amour. Lord, your love. Reçois l'amour de Dieu. Receive the love of God. Yeshua. 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 Dieu ne vous juge pas, il est bon. Les âmes perdues sont libérées. L'amour est là. Quand ton nom Jésus est invoqué, levez la main, frères et sœurs, il y a une gloire. Les âmes perdues sont libérées. Quand ton nom Yeshua, c'est Jésus. Yeshua, Jésus. Nous crions. Appelle Jésus. Nous t'appelons. Yeshua. Seigneur, nous crions. Nous le Messie. Pardonne-toi. Manifeste-toi. Yeshua, nous t'appelons. Yeshua, nous crions à toi. On va prier. Let's pray. Pour demander to ask à Dieu to God de manifester par Jésus-Christ to manifest through Jesus Christ des guérisons au milieu de nous. Healings among us. Il y a une personne ici avant la prière. There is a person that before the prayer, tes deux pieds s'enflent. Your feet were swollen. Et la puissance de Dieu and the power of God a commencé à te toucher has started to touch you parce que ta démarche a changé. Because the way you walk has changed. Et c'est compliqué. And it is complicated.
et la partie des extrémités de tes pieds, surtout au niveau de ton tibia et autres, de tes mollets, ont pris une couleur assez sombre. You felt a pain. Mais le Dieu But the God que j'annonce, le Dieu de Jésus-Christ, t'a touché tout à l'heure. Has touched you. Là où tu te trouves, where you are standing, il t'a guéri. He has healed you. Si tu le veux, if you want, tu peux commencer à bien marcher maintenant. You can start walking correctly now. Je dis à cette personne qu'elle est guérie. And I'm telling that person, you are tu iras ensuite voir ton médecin. And you can go and see your doctor. Il sera étonné. He will be surprised. Jésus t'a guéri. Jesus healed you. Et cette douleur, pendant que je parle, c'est plutôt une chaleur que tu reçois. You are feeling some heat. Alors, si tu le veux, tu peux venir ici pendant que nous continuons à prier. You can come if you want. Ce problème, de, on disait circulation du sang, mais ce qui était compliqué sur le deux autres pieds. Attrapé. On chante avec la chante pendant qu'on... Let's sing. L'onction de miracle. The anointing of miracles. Ma fille, my daughter, Dieu est bon. God is good. Voilà. Et à toi. Jésus. Jesus. Elle va pas tellement lever sa main. Mais vous voyez les taches noires. Can you see the spots, the dark spots? Vous allez guérir. You are going to get healed. Parce que quand Dieu donne, c'est vrai, ça a touché peut-être d'autres Because personnes. When God gives that word, mais si Dieu vous localise, if God has located you, Jésus est bon. Jesus is good. Jésus est bon. Jesus is good. L'humanité ignore son amour. Humanity ignore his love. Il était déchiqueté pour moi et pour toi. He was hurted for you and me. Et notre guérison se trouve dans ses plaies. And our healing in, in his wounds. Il y a 2000 ans, il achevait ça. 2000 years quand ago, il a dit, pour te t'accomplir, pour lever les mains simplement. Just raise up your Lève la main aussi. Oh, Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit, merci. Merci pour cette guérison. Thank you for this healing. Vous savez, you know, votre poignet droit right vous fait aussi mal. It's hurting. Et tout cela va guérir maintenant. And all of this will be healed now. Miracle. 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 Pliez votre poignet maintenant. Oh Seigneur. Oh, miracle. C'est un miracle. 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 Tu lèves la main. Raise up your hand. On va continuer ce chant tout à l'heure. Let's continue that song. Vous savez pourquoi? Do you know why? Dieu guérit parce qu'il est bon. God heals, it's because he is good. Et les signes, il montre quelques signes. There are signs. Mais chacun repart avec un signe. But each of us will go back with a sign. Une guérison intérieure, une guérison physique. And in a healing, ou une conversion. Or a conversion. Quand le Saint-Esprit est là. When the Holy Spirit is present. Notre Père qui est dans les cieux. Our God is in heaven. Merci pour Jésus. Thank you for Jesus. Ton oint Jésus. Your anointed Jesus. Merci de donner Jésus à notre Thank humanité. You for giving him to our humanity. En ce 21e siècle. In that 21st century. Avec tant de pandémies, tant de souffrances. So many suffering. Père d'amour.
Loving Father, merci pour le sang de Jésus versé. Thank you for the blood of Jesus. Pour nous. Merci pour ce sainte plaie. For his holy wounds. Je te confie tous ceux qui souffrent dans leur corps. And I give you all of the people suffering dans leur âme, in their dans leur body, soul and spirit. Fais pleuvoir ta grâce de miracles. Make rain your grace of miracles. Par la puissance du Saint-Esprit. By the power of Holy Spirit. Touche tous ceux qui souffrent de la tête. Touch everyone suffering in the head. Tu es celui qui guérit. You are the one who heals. Par les plaies de Jésus, guéris-les. By the wounds of Jesus, heal them. Ceux qui ont les faces, ceux qui ont des douleurs à la face. Il y a une personne. Those who have pain. Qui a un mal étrange. Someone has a strange. C'est une douleur à la face. A pain. Quand tu touches face, tes joues, même ta tête. When you touch your head, ça te fait mal. It hurts. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas c'est quoi. I'm not a doctor, I don't know what it is. Mais là, tu ressens comme un feu, but une now, chaleur, grande chaleur dans ton visage. You are feeling a heat on your face. Tout à l'heure, je vais prier pour toi. And Seigneur, I will pray touche for you. Tous ceux qui souffrent des oreilles. Lord, touch everyone who suffers in their ears. Ceux qui entendent partiellement. Those ceux qui souffrent de la gorge, la colonne vertébrale. Suffering in the throat and their du back. Dos, des reins. Your kidneys. Tous ceux qui n'arrivent plus à faire de mouvements avec leur bras, avec leur avant-bras. With their arms. Tous ceux, il y a une personne ici, c'est, je ne sais pas ce qui s'est passé, I don't know what happened. Mais au niveau de ta main droite, but in your right tu n'arrives hand, pas à faire des mouvements spontanés. You are not able to move. C'est comme il y a un ralentissement en même temps qui t'accompagne des douleurs. It seems like it's slow. Mais ce soir, tu es guéri. But tonight you are healed. Et tes paumes sont sèches. And your palms are dry. Jésus t'a guéri. Jesus has healed you. Seigneur, merci de toucher tous ceux thank qui you, Lord, for touching ont un problème respiratoire. Everyone with a breathing problem. Merci. Thank you. Tous ceux qui souffrent au niveau de thorax, des poumons. Those who Seigneur, have merci pain de in les lungs. Toucher. Thank des you reins, for du pancréas, de l'estomac. Kidney, stomach. Tous ceux qui ont un problème, mon Seigneur. Everyone with a problem, au niveau Lord. De leur rein, comme cette personne in their kidney, qui a sa troisième séance de dialyse. Like this person who is going through mon Dieu est bon. My God is good. Tous ceux qui souffrent des reins, de la hanche, everyone suffering in the hips, du genou, knees, du tibia et des pieds de la cheville. Ankles. Tous ceux qui sont malades, everyone who has, que tu vois tous ceux qui... And you can see, il y a une personne qui doit subir une opération au niveau des yeux. Someone has to go merci to Seigneur eye de toucher surgery. Cette personne. Thank you for touching that person. Merci de toucher tous ceux qui sont malades. Thank you toi seul les connais, Seigneur. People. Toi you seul know les connais. All of them. You know them. Le royaume est là. The kingdom is present. Jésus l'a inauguré sur la terre. Jesus has started it on earth. Et nous recevons les fruits de ce royaume. And we are receiving the fruits of merci, that kingdom. Ô Père, thank you, O Father, pour tout ce que tu fais. For everything you're doing. Vous voyez, you see, c'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. That is what is called prayer of intercession. C'est une prière pauvre. It is a poor prayer. Puisque ce n'est pas nous qui guérissons. Because we are not the on one va maintenant invoquer healing. Le Saint-Esprit. We are not going to call je vous fais une petite Spirit. Catéchèse charismatique. I will do small catechesis. N'insistez pas sur la prière d'intercession. Do not insist on the prayer of intercession. La Bible dit Dieu lui-même. Et que Dieu sait ce que l'Esprit dit. L'Esprit exprime. Dieu va au-delà de ma prière. He goes beyond our prayers. Maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Now, let's call the Holy Spirit. Et pourquoi invoquer le Saint-Esprit? And why do we call the Holy Spirit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste à notre esprit that's confirmed to our que mind nous sommes guéris. That we are healed. Et que ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, and that what Jesus did 2000 years ago, il actualise ça sous nos yeux. He can do it again on our alors, eyes today. Nous allons avec la chante invoquer le Saint-Esprit avec cette mélodie. So let's call the Holy Spirit with that Saint-Esprit. Song. Saint-Esprit. Holy Spirit. Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Call the Holy Spirit. Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit,
esprit. Et tous ceux qui avaient un problème pour marcher, et tu te lèves là où tu es, you stand now, et tu commences déjà à faire des mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Et tous ceux qui avaient des douleurs, des maladies, commencez à faire des mouvements et vérifiez vous-même que la douleur est partie. And verify that the pain has left. Alors, si vous sentez que vous êtes guéri, so if you feel like you are healed, vous commencez à venir ici, frères et sœurs. La puissance de Dieu the power of God est en train de rejoindre des personnes. He's joining some people. Et faites tous les mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Do all the movements that you were not able to. Il y a une personne qui avait une douleur à la nuque. Tu as eu un choc, un accident. Had a pain. Et tu avais des grands vertiges. Et là, tu as toujours une douleur, mais tu viens de te guérir. Avec cette personne, d'autres personnes ont reçu leur miracle totalement. Alors, commencez à venir ici, vous vous alignez, les frères vont vous écouter. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Alors, nous bénissons le Seigneur. Avancez ici. Pendant ce temps, je vous dis, Dieu continue à guérir. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te glorifions, Saint-Esprit. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix. Nous levons nos voix pour t'adorer. Fais le mouvement, alléluia. Make the movements. Il y a une personne qui c'est extraordinaire. That is extraordinary. Elle a commencé à être cambrée. You started to be bent. Et au début, elle ne se rendait pas compte. And at the beginning, you didn't realize. Mais regarde ce que Dieu est en train de faire. Look at what God is doing. Tu as reçu tout de suite une douleur, you comme si on te tapait au niveau de la hanche. Pain, like someone was hitting you at et je hip. Peux te dire que tu es guéri. And I can tell you that you are healed. Oui, c'est un problème au niveau de la colonne vertébrale. It was a problem at the back. Et il y a 2 ans, tu t'es rendu compte, tu es suivi and par le médecin. Ago, it has started and Dieu t'a guéri. Je ne sais pas comment c'est venu, mais Dieu t'a guéri. And God has healed you. On va commencer à leur donner un micro, on va commencer à écoutez, puis priez, simplement. Voilà, Stéphane, il faut commencer par la dame. Nous bénissons le Seigneur. We bless the Lord. La dame, elle a mal au genou. Et lorsque papa, tu priais, elle a senti une chaleur dans ses genoux et maintenant elle peut faire des mouvements. Fais le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Alléluia. Jésus, merci. Thank on you, acclame Jesus. Le Seigneur. Let's praise the Amen. Lord. Mon père, bon, en général, si c'est un père, je dis à un autre prêtre de prier pour vous. Donc, Père Gilles, tu te mets en mouvement. Hein? Moi, j'avais comme une sciatique et du coup, qui bloquait ma jambe droite. Voilà, mon père, faites ce que vous ne pouvez pas faire comme. Alléluia! Père, prie pour lui. Alléluia. Oui, oui. J'avais mal au poignet gauche que je n'arrivais pas à tourner. Et après plusieurs mouvements, j'ai pu rétablir. Ça marche. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Glory to you, Lord. Alléluia. Ah, je ne pouvais pas rester longtemps debout. Mais dès que la prière a commencé. Maintenant, faites tous les mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Courez, alléluia. Que Dieu vous bénisse. God bless au nom de Jésus-Christ. Merci, in the name of Jesus Christ. Thank you, God. Moi, vous voyez, elle commence à guérir de ses pieds, mais elle va mieux. Venez ici. Venez ici. C'est pas. Vous l'avez vu comment elle souffre. Et elle est venue quand même, Dieu a commencé. Elle va marcher. Elle va marcher. Non.
Notre Père et notre Dieu, our Father and God, que ta puissance de gloire, let your power of glory, touche ta fille. Touch your daughter. Laisse-la. Quand il se lève, c'est fini. Non, laisse-la. Elle va durer. Voilà, notre sœur, elle avait un problème dans la colonne vertébrale, au niveau de la hanche, tout était bloqué. Et quand vous avez commencé à prier, elle a senti des brûlures dans tout le côté et le mal a disparu. Amen. Que la puissance de Dieu vous touche au nom de Jésus-Christ. Faites maintenant les mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Moi, j'avais des douleurs, des maux de tête depuis l'âge de 15 ans. Et on m'a dit que c'est une algie vasculaire de la face. Et on devait me prier de la tête. Mais j'ai refusé cela. Et ce soir, en venant toute la journée depuis quelques temps, j'ai mal tout le temps. En entrant ce soir pour la prière, j'avais fortement mal à la tête. Et pendant la prière, j'ai senti le mal me quitter. Et je ne peux que rendre gloire à Dieu. Alléluia, avancez. Seigneur, merci pour ce que Thank tu as you, fait. Lord, oui. For what you did. Voyez comment le Seigneur est précis. You see how the Lord is precise. Bon, je ne suis pas médecin, mais il m'a montré cet homme. But he has showed me that man. Et j'ai vu que c'était quelque chose de sérieux, And mais I Dieu, saw it was something serious. Dieu vous a guéri totalement. God Amen. Has healed you. Laissez-la. Vous voyez, elle va se lever, elle va marcher She's normalement. Going to stand and walk normally. Voilà, enlevez le pas, il marche normalement, c'est fini. It's over. Tu es guéri, c'est fini, marche normalement. You are healed. You can walk normally. Cours, cours, cours. Run. La dame, elle a mal au genou. Ah, c'est ça. Et c'est la première fois qu'elle vient ici. Ah. Elle a été invitée par sa fille. Okay, et alléluia. Au cours de la prière, elle a senti une forte douleur et toute la douleur a disparu. Et aujourd'hui, elle peut faire tout le monde. Amen. Fais comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons recevoir de Dieu la grâce et la capacité d'exprimer par notre vie la réalité du royaume. Et nous allons invoquer l'onction du Saint-Esprit qui va construire notre vie intérieure. Et l'onction, vous voyez tous ces malades qui guérissent, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est Pierre a dit, c'est pour nous et nos enfants et ceux qui vont venir. Voilà. Le Saint-Esprit n'est pas un don qu'on fait à une personne, on dit elle est charismatique. C'est toute l'Église qui est charismatique. Nous allons laisser le Saint-Esprit activer l'onction en nous. Nous avons reçu une onction formidable pour être des rois, des prêtres. Et des prophètes. And prophets. Cette onction qui va venir That anointing va nous donner la capacité prophétique d'aimer et d'être Jésus au milieu des hommes. And to be Jesus among people. Alors je vais aller vers le nord. Pour la liberté. Nous devons exprimer Jésus par notre vie. Je dis nous devons exprimer Jésus par notre vie. La puissance doit couler sur nous. Et quand la puissance coule sur nous, quel que soit notre domaine d'activité, nous sentons cela. Alors l'onction, vous voyez, l'onction est en train de faire quelque chose. Laissez-la, ne la touchez pas. Vous allez briller. You are going to pray. Vous allez briller. You are going to pray. Ésaïe 61-62 nous Isaiah parle de cette 61. Vie que Dieu nous donne où nous brillons. Spoke about the life nous brillons plus qu'une étoile. To pray. Voici, je sens une onction sur vous. I feel the anointing Recevez. Upon you. Laissez-la simplement. Vous levez la main ici, frères et sœurs. Raise up your hands.
Invoquez le Saint-Esprit. Call the Holy Spirit. Invoquez le Saint-Esprit. Call the Holy Spirit. Invoquez le Saint-Esprit. Alléluia. Call the Holy Spirit. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Alléluia. Et envahisse le lieu. Que ta voix. Que ta gloire descende. Pour la liberté. Que les cieux se lèvent. Que vienne ta pluie. Que vienne ta pluie. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Que ta gloire descende et envahisse le lieu. Que ta voix, que ta gloire descende pour la liberté. Que les cieux se lèvent. Merci grand. Father, merci. Et que ta pluie. Merci pour ce que tu fais. Thank you for what you're doing. Que l'onction touche cette partie. Tous ceux qui se trouvent ici, ça y est, l'onction est en train de descendre sur vous. L'onction amène des miracles de conversion, des miracles de transformation. L'onction du Saint-Esprit agit dans notre vie professionnelle, dans notre vie sentimentale. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu. The Spirit of God agit dans toute notre vie d'homme marié, de notre vie de consacré, de notre vie de prêtre. L'onction est donnée. As priest, the anointing is given. Il est donné pas pour que les affaires religieuses, mais il agit aussi. It's also acting. Jésus dit, même quand on va vous conduire vers les tribunaux, ne craignez pas. Parce que mon Père a parlé par son Esprit. Vous comprenez? Moi, j'ai compris ça très tôt. Que l'Esprit Saint, ce n'est pas pour la prière en langue seulement. Ce n'est pas pour les prophéties, c'est pour la vie. Ma fille, il y a une grâce de Dieu sur toi. Tout est accompli. Voilà! Ça y est, tout est accompli. Dieu a écouté ta prière. God heard your prayers. Je dis, Dieu a écouté ta prière. God heard your prayers. L'onction est sur toi. The anointing is on L'onction you. Est sur toi. Merci The Seigneur. Is on you. Thank you, Lord. Père. Father. Oh, Yalowski. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Il y a prié, ceux qui prient en langue prient. Il y a une puissance extraordinaire ici. Il y en a qui vont commencer même à prier en langue. Vous voyez, l'onction du Saint-Esprit est sur vous. Reçois l'onction. Priez, frères et sœurs, demandez. Voici l'onction. Prends l'onction. Vous voyez, Dieu. Alléluia. Alléluia. Ici, il y a un feu du Saint-Esprit qui est là. The fire of the Holy Spirit. Comme des langues de feu qui tombent sur vous. As tongues of fire. Mon frère, voici. Coming on you. Dieu a un message pour vous. Has a message for you. Il vous rassure qu'il est avec vous. He is reassuring you. He is with you. Il dit, j'ai vu ton cœur et ton espérance. He said, I saw your heart and your hope. Puis dans les grandes choses, Dieu va vous conduire dans les très très. God is going to lead you to great things. Prends, non, prends la gloire, la puissance de Dieu. Tu es grand, Saint-Esprit. Le ciel est ouvert. Oh, heaven is open. J'ai dit le ciel est ouvert. Quand heaven le ciel est ouvert, open. Il faut parler. When it is open, you must talk. La gloire est là. The glory is here. Touche-moi, sa main nous touche. Voici. Prends. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main
Alléluia. Recevez sa puissance. Ne doute jamais dans ta vie. Sa puissance est là. Dieu est présent dans ta vie. Les choses vont changer, ma fille. Les choses vont changer. Les choses vont changer ici. Recevez, recevez, recevez. Petit, voici. Mais demandez ce que vous voulez. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa force est là. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Sa main nous touche. Qui l'a conduit ici? Il a eu quoi lui? D'accord. Je prie pour lui ce soir, mais cherchez à prendre avec moi un rendez-vous. Demandez tout ce que vous voulez au Seigneur. Dieu est fidèle. God is faithful. Dieu est fidèle. God is faithful. Il y a une personne ici, Dieu te dit que tu auras tes enfants. There is a person, God is telling you, you have children. Tu auras tes enfants. You are going to have your children. Tu auras, je veux que cette personne vienne. You are going to have your children. Vous allez accoucher, vous allez accoucher. You are going to give birth. Voici, la... non, ouvre tes pans genoux, voilà. Son miracle est là. Le miracle est là. The miracle is here. Touchez votre ventre, touchez votre ventre. Voici la puissance là. Sa main nous touche. Ça y est. This is it. L'onction est là. The anointing is here. Demandez, frères et sœurs, demandez. Brothers and sisters. Dieu nous écoute. God Dieu is est listening. Vivant. He is alive. Il est le vivant. He is alive. Parle à ton Dieu. Talk to your God. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Oh Père, merci. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Tu es grand, Saint-Esprit. You are great, Holy Spirit. Excusez, ce n'est pas encore, ce n'est pas une démonstration, je dis. It's not a demonstration. Mon Dieu est déjà grand. My God is already great. Le miracle ne lève même pas son nom. Miracles don't even raise his name. Les miracles sont quelques signes de son amour. Miracles are just some signs of his love. Ce que Dieu fait pour nous, on ne le voit même pas. What God does for us, we don't even see. Mais là où je me trouve en face de, but where I'm standing, de cette bâche, facing that tent, il y a une pluie de miracles qui descend sur les gens. A rain of miracles falling on people. Il y a une pluie de miracles, je dis bien plus a de rain miracles. Of miracles. Alors quand cette onction-là, elle est présente, so when this anointing is present, demandez tout ce que vous voulez au Seigneur. Le Saint-Esprit vous fera demander ce qui correspond à la volonté de Dieu. Make you ask what corresponds to the will of God. Nous prions que dans la présence de l'onction du Saint-Esprit, il y a une pluie de miracles ici. Je ne sais pas ce que vous avez demandé à Dieu. I don't know what you ask God. Mais là, le Saint-Esprit m'a but bloqué. Here, the Holy Spirit has et pour dire de prier ici. And it's telling you et donc to pray. Les autres personnes qui sont là, levez la main simplement. So just raise up your hands. Père si grand, à toi toute la gloire. To you the glory. Miracle, Père. Miracles, Father. Alléluia. 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 Amenez-moi ces personnes. Les miracles sont en train de se faire. The miracles are happening. Les miracles sont en train de se faire. Miracles are happening. Miracles. 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 Vous recevez, vous recevez. You are receiving. Aidez-les simplement. Miracles. Shikabaro. Miracles. Shikabaro. Shinabaro. Ça y est. Miracles. Miracles.
miracles et de les miracles au nom de Jésus. Prends miracle. Ma vie, voici ton miracle. Miracle. Ce que tu as entendu ce soir. Miracle. Dieu t'aime, ma fille, ne pleure pas. Miracle. 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 Tout puissant, tout puissant, prends le miracle, tout puissant, miracle, tout puissant, miracle, mon Dieu est puissant, attrapez-le, puissant, prends le miracle, puissant, tout puissant, tout puissant, ma fille, ça y est, 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 tout miracle, miracle, prends le miracle. Miracle, miracle, l'onction du Saint-Esprit. Tout puissant, Dieu est fort. Tout puissant, Dieu est puissant. Dieu est puissant. God is powerful. Dieu est puissant. God is powerful. Dieu est puissant. God is powerful. Il y a un enfant ici qui est attardé. Oh, je dis à la maman qu'elle sera étonnée. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Ta foi est grande. Où est cet enfant? Ma fille, ta foi est grande. Amène-moi sur la foi ici. Petit. Il a quel âge? 7 ans. Petit. Dès cet instant. From this moment. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Miracle au nom de Jésus. Miracle in the name. Ma fille, c'est fini. It's over. Dieu a pris ta défense. God took your defense. Les gens ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Dieu a pris sa défense. God took your defense. Levez la main, frère et sœur. Quand on en a une belle onction, il faut lever la main pour dire merci à Dieu. Raise your hand. À lui sa gloire. To him the glory. À lui sa gloire. To him the glory. Il y a une personne ici qui. Someone here. Et ça paraît comme une ambition parce que tu veux développer quelque chose. You have an ambition to develop something. Qui est en lien avec le pétrole. That is related to fuel. Mais je dis que ce n'est pas. But I'm saying it's. Ce n'est pas simplement quelque chose d'ambitieux que tu veux. An ambition that you have. C'est quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans ton sur ton cœur. Something that the Holy Spirit has. Je dis à cette personne que ça va se réaliser. And I'm telling that person it will happen. Et le rêve passe pour devenir une vision réelle, prophétique, donnée par le Saint-Esprit. Given by et de la vision, a vision, tu touches, la vision se matérialise. You are touching the vision. Vous savez, la prophétie s'est matérialisée dans le ventre de Marie. Prophecy, le verbe, la parole s'est fait chair. Et c'est le processus normal du miracle. And that's the normal process of miracles. Demandez toujours. Ask. Demandez toujours. Ask. Voici l'onction. Keep asking. Here is the anointing. Recevez cette onction de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Thank you, Lord, for. Commençons à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir. Thank you, God, nous lui disons merci. Everything. Nous l'acclamons. Nous lui disons merci. Let's à lui him. La gloire. To him the glory. Victoire, 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 victoire. Tu peux danser, tu peux danser. Victoire, tu peux danser. Victoire, alléluia.
On acclame le Seigneur. Avant la prière finale par les prêtres, le frère Stéphane va nous dire deux mots en lien avec Diakonos. On peut s'asseoir et nous acclamons l'onction. La puissance qui est descendue, alléluia. Voyez, frères et sœurs, Dieu m'a fait grâce d'aller en Lituanie. Alléluia. Et nous avons visité un monastère. Joli monastère. Et le moine me dit, depuis 20 ans, ils n'ont reçu que deux moines. Ce sont des Français, ils parlent français. Alléluia. Donc je lui pose la question, mais pourquoi 20 ans, deux personnes seulement sont rentrées dans le monastère? Il dit, non, mais aujourd'hui, l'Internet, les gens ne s'occupent pas de Dieu. J'ai failli lui dire, mais peut-être que nous attendons que les gens viennent. Peut-être qu'il est temps que nous-mêmes, nous allions chercher les gens. Alléluia. Donc, vous voyez que le monde va mal. Les gens fuient Dieu. Alléluia. Et donc, la rencontre des consacrés ici, c'est un assemblage de feu. Acclame Dieu. Quand les évêques, les prêtres, les religieux se rencontrent, c'est un feu. Alléluia. Alors nous, nous devons aider les organisateurs. Parce que le feu qui sera allumé, quel que soit le lieu où tu es, les rayons de ce feu vont te localiser. Acclame Dieu. Et c'est pour cela, je voudrais que tu te mettes debout. Et nous allons faire une offrande spéciale pour Diakonos. Pour que les organisateurs accueillent ces éminents hommes de Dieu qui arrivent de partout dans le monde entier. Mettons-nous debout. Une offrande. Mets-toi debout et viens à la rencontre. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Parce que ce soir, tu as parlé à notre cœur pour que nous puissions aider l'organisation. Que ton nom soit exalté à jamais. Amen. Nous venons vers les paniers. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. À l'heure, à la fin, les femmes enceintes, vous venez à la place habituelle pour recevoir la prière. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On va demander au Père. Mon Père, votre nom, c'est Martin, voilà. Oula, c'est un grand nom. On acclame Dieu. Alors, le Père Martin vient de la France et de Montreuil, c'est ça? De Paris, ouais, Paris. Okay. Ouais. C'est Paris, ouais, c'est l'archidiocèse de Paris. Donc, il va nous donner la grande bénédiction. Hein? Ce sera une bénédiction parisienne. Le Seigneur soit avec vous. Marie-Maman, nous te demandons d'intercéder pour chacun d'entre nous. Nous te demandons d'intercéder avec tous les anges et tous les saints, avec tous les saints du monde entier. Nous demandons que le ciel qui s'est ouvert ce soir, que toutes les grâces qui ont été reçues, les grâces visibles ou invisibles, nous te demandons que tout ça, ça soit scellé dans le sang précieux de l'agneau. Seigneur, nous te demandons que toutes les portes, que tous les territoires qui ont été dégagés, Seigneur, que tous ces territoires soient plongés une fois encore dans le sang de l'agneau. Nous te demandons que tes saints archanges sois présent avec chacune de nos vies. Nous te demandons, Seigneur,
Que l'odeur même de nos vies soit nouvelle ce soir. Que le parfum de l'onction soit visible. Et Seigneur, nous te demandons que cette bénédiction, nous la recevions pour nous-mêmes, mais pour le monde entier. Nous te demandons d'étendre nos territoires, d'étendre que ces territoires gagnés soient dégagent l'atmosphère spirituelle de cette ville, de ce pays. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Et nous te demandons de nous bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.